le joueur est bousculé au moment où il joue. Donc il a un point. Il y en a un qui passe derrière. Il y en a un qui passe derrière, qui le bouscule et puis bah, il ouais, c'est fait pour un comme. Alors ça peut être le gars qui joue sur le billard d'à côté. Ça peut être l'arbitre, ça peut être plein de choses. Bon, dans tous les cas, alors il y a eu le cas aussi où, de Jean-Pierre qui arrivait à céder. L'arbitre tenait le machin, c'est l'arbitre qui lâche le truc, qui tape dans la queue de Jean-Pierre et il dit faute à Jean-Pierre. C'est le con, c'est l'arbitre qui fait la connerie. Donc dans tous les cas, que ce soit l'arbitre qui fasse la connerie, n'importe qui de l'extérieur, c'est pas de la faute du joueur. Donc l'arbitre dans ce cas-là, il doit remettre les billes dans la position approximative où il pense qu'elles étaient. Mais il compte pas faute au mec. Il remet les billes en place, comme il pense qu'elles étaient, et le joueur rejoue. Et on lui dit pas faute. C'est pas sa faute, c'est pas la faute du joueur, c'est la faute de... Alors là, c'est encore peut-être plus dur à voir, mais le mec qui fait faute et qui se rend compte que les billes vont être en paquet et qui redonne un coup, et vous vous rendez compte qu'il le fait sciemment. Ah, non, bah, on va remettre aussi en place. Oui, tout à fait. Oui, oui, par contre, c'est assez difficile. Mais si c'est dans le, si c'est dans la foulée, le dixième de seconde qui suit, tu vas non, pas dire faute. Non, mais on c'est l'instinct, tu donnes le coup. Ça, et si il se porte une seconde ou deux, puis qu'il tape, là c'est la mauvaise foi. Ouais, tu dois remettre ses trucs en place. Et puis je voudrais qu'on parle des positions du corps, et notamment sur le coup en question. Alors, il y a quelques personnes qui ont des petits défauts, je ne corrigerai pas forcément tout, mais c'est des gens qui sont habitués à une position. Et puis, à la limite, peut-être mieux pour changer, je pense, en particulier à Pierre. Une position qui n'est pas forcément tout à fait orthodoxe. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de faire changer? Je sais pas. Normalement, la bonne position, quand la queue elle est comme ça, normalement, votre pied droit, si on est droitier, il doit être dessous. Là, ça doit passer sous la talonnette, le talon étant là. Le talon il est là, le truc ça va passer dans le dessous de la touche. Ok. Et l'autre il doit être comme ça, c'est-à-dire que vous devez être bien 45. Ici. Voilà. Vous devez être comme ça. C'est-à-dire que vous devez être assis, vous êtes là, vous. Vous devez être à peu près à 45 degrés. Ça c'est la position classique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis ce qui se passe si vous n'êtes pas dans cette position-là. Il y en a qui sont comme ça. Ouais. C'est un peu Pierre, ça. C'est un peu comme ça, toi. T'as plutôt le monde. Alors, ce qui se passe si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes très sur le côté. Ouais. Donc, le problème, c'est que là, à un moment donné, surtout si vous avez un gros bide, vous êtes gêné pour passer. Mmh. Deuxième problème, c'est qu'étant très en ligne comme ça, t'as pas de stabilité latérale. Si t'es comme ça, t'es assis, t'as deux points, machin, t'es assis au milieu, t'es très stable. Mmh. Si t'es comme ça, t'as pas de stabilité latérale. Ouais. Alors, et au contraire, c'est-à-dire que t'es comme ça. Il y en a qui sont pratiquement... pas en face, mais presque. Ils sont quasiment en face. Alors là, le problème, c'est que tu ne peux pas allonger. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas avoir un coup de pied allongé. Donc, ben, alors, tu n'es pas trop stable avant-arrière. Et en plus, ça te bride. Parce que si tu es sur le côté, tu peux allonger le coup de pied. Donc voilà, donc, normalement, la position, c'est ça. Ok. On va commencer par un trois bancs, tout ce qui est le plus. Parce que tu peux pas t'attaquer, peu importe. Oui, c'est une... Autre chose, comme il y a le spécialiste de Conti là-bas qui va vous dire que normalement le pied doit être en dessous de la main. Oui. Donc plus vous jouez un coup long, plus vous devez être plutôt écarté, plus vous devez vous baisser pour avoir une meilleure visée. Pour vous baisser, vous pouvez plier les genoux. Oui. Vous pouvez aussi écarter un peu, ça baisse. Hein. Oui. Un peu plus. Donc si vous reculez le pied, automatiquement vous reculez la main. La main, elle est toujours au-dessus du pied. Oui. Okay. Donc plus le cou est long, plus vous allez prendre machin, plus le pied il va être reculé. Okay. Par contre, plus vous êtes en vue de près, plus la main est courte et plus vous êtes debout. Ok. D'accord. Là-dessus,
Les attaques de loin, comme ça, bah, c'est la visée qui compte beaucoup. Il faut prendre très gros. Pour viser, vous avez intérêt à vous baisser au maximum. Là, on va mettre comme ça, ici. Voilà. Et on prend très gros. Et on amène tout. Okay. C'est pas mal, t'écartes pas tout à fait, t'es un peu trop haut. Ouais, t'es un peu trop comme ça. Regarde, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est que tu prends un peu trop bas ou je sais pas. Il y a trop de gros. Quand tu C'est mieux déjà. Tu baisses un peu plus. Oui, on manque un peu de vie. La position est un peu bizarre aussi. Ah bon? C'est ma position finale. Moi, j'ai plus ma position. C'est bon, ça. C'est comme ça. Mais moi, c'est un. C'est comme ça. Si on bien, on voit bien, il faut encore chose à dire. D'accord. C'est bien. Alors ça, cette position, je ne l'ai jamais. Les pieds, c'est bien. Dans la deuxième horizontale, donc, là, il n'y a plus grand chose avec les. Ah, ben bah, voilà. Il suffit de dire que je regarde. Non, non, très bon, hein. Avec des crevettes dedans, ça donne bon. Oui.